Bonjour à tous. Sur ce cross, j'aime beaucoup la candidature du numéro 5, Yaline de Carza, qui vient de le faire avec la manière dans cette discipline sur l'hippodrome de la Perte. Se protéger de Gaby Landers semble vraiment au top de sa forme actuellement. Le lot, franchement, ne comporte pas d'épouvantail. Il peut faire sien cette classe 3. Je vais également me méfier du numéro 1, Fortasta, qui collectionne les bonnes sorties ces derniers mois. Ce fils de Turgeon s'est déjà placé sur la piste du jour. Sa forme est sûre. Il a sa place sur le podium, surtout qu'il a été supplémenté pour l'occasion. Autant dire que les ambitions, bien évidemment, sont là. Maintenant, c'est à vous de jouer. Surtout, n'hésitez pas de liker, de vous abonner à notre chaîne. Et on se retrouve tout de suite pour un nouveau Côté Côte dans la sixième.